Voice of Congo.net news on real time. Na pesi ba na nzambi nyosongote na kombo na Yesu. Eza mosali na bino to maumbu na bino timide mukendi oya zali ko présenter bino sango malamu angolo to l'évangile de la grâce. Na remercier ma kasi vision 55 na ndeko na biso pichu kalala. Pona ngolo ba pesi biso ya koleka na nzela na bino ya bilili po tibolo kama kambo na nzambe. Na bosanite Voice of Congo pona mosala mwenye ba osala kati na mboka mokili mobimba. Merci beaucoup na équipe technique na bango nyonso pe nzambe akanisa bino mingi. Na pesi mbote pa ndeko Thierry et pourquoi pas bien aimé Kelvin kola pambola o mingi. Na kanisa ete soki nzambe akosunga okozala na ba DVD deja kala mingi te pona kopesa pe baninga malakisi oyo. Nzambe abongisi mpona biso na eleko ya suka mpona kopreparer mwasi na nkolo. Bien aimé, to disposer sur thème tout ce pas inabino pour natia inabino sur la nudité de Noé. Naibi que le au moko la Bible et comment ma pamba exacte toutes les actes posés tout ba mouvement nyo sur la Bible et ça toujours na ndimbola na yango. Alors le loto yé naibi que ça si j'ai moko kozala profonde mais par la grâce de Dieu to kozala moi moke moke ko talisa bino likanisa nzambe et za nini. Mais na bi ke batwa lobela kango mingi mais le loto zo zande bikanisi ya nzambe na katia bolungu ya Noé to la nidi de Noé ndenge batwa lopoto bazali koloba Genèse chapitre 9 to kotanga verset nango 8 rapidement. Les fils de Noé sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fit le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et entra et se découvrit au milieu de sa tente nue. Cham, père de Canaan, vint la nudité de son père et la rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu entende la possession déjà faite, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voilà, ça c'est la lettre, mais il y a une passée derrière toutes les écritures parce que Bible dit que Nyonso et Komamaki, Ezaki et Lilinga Makambekoya. C'est que quand tu as Noé, Bible dit que lorsque Noé est dans la arche, Écriture dit que Noé a bandi ko balula mabili. Donc il a commencé à labourer la terre. Or, tous les mouvements sont significatifs. Il a commencé à labourer la terre. Après qu'il a labouré mabili, la Bible dit que akenda kolona. Mais parmi les choses que Noé a lonaki, balobi akenda kolona vine. Quand a loni vine, vine wana ebimisi mbuma. Mbuma wana ne permet akaba ke komisa vin. Nde vin et puis si Noé ngolo alia, tant ngolo a elani Noé azu masanga. Vin oui mais qui n'a vini au yomoka lonaki ameli yango si ma komela yango bi besoin parce que il s'est retrouvé nu na balabalate il s'est trouvé nu est-ce que mon souci mais il s'est retrouvé nu uniquement dans sa tente. Pourquoi la tente nous est très important et tango moi nana ya suka c'est le cadet qui vient découvrir la nudité du père mais voilà ni tango azinga yango toi si pa yango. Chama Sali Bongote, Abimi, a épousé Semna Japhet, a informé Bango que la nudité du père est découverte. Alors Bango mi balé, Semna Japhet, baye bazu manteau, batiango na mapeka na Bango. Baba ndi kozonga rekila pour mon abonné papa na Bangote, nde baye, bazipi bolumba papa na Bango. Alors, lorsque Noah la mouki maintenant, na kwiti na ye, parce que Abi ke a la mouki na kwiti, ya masanga. Tango a la mouki, c'est alors qu'à apprendre ce que moi, Anaya Soukassalaki. Et Tango a découvert Yango,
à laquelle il cana aura la que la chambre mabe o ya monaki bulumbu nae mais azola que la mwana oyo akobimaka epa ya chambre nde azola que mabe kalobike ala que la mabe et puis azala muumbu ya sem na Jafet ndoto ya mwana. C'est ça l'écriture, frère. Oh non, il faut couvrir bolani ce papa sali mabe, il faut couvrir yé waneza mate ya bato waneza moral eza les kanisa nzambe te frère. Mais vous en apportez pas les cas parce que na kata militaire noé il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Eza na makambo belé bomba mi frère ko aide yo Moussa nzambe ko aide parce que awa Moussa la ya ngolu la révélation de tout eza caché na kata militaire noé. Mais remarquez ce qu'on t'a dit Genèse chapitre 5. Li komezo parce que lorsque Noé a zobotama les mecs apesi Noé kombo alobi ki mwana oyo akopesa biso kobondisama où il nous consolera de cette terre que Dieu avait maudite. Ce qui veut dire Noé d'abord kombo na yini ko lakisa que le consolateur moto oyo emaka bobondisami c'est ça Noé. C'est celui qui apporte la consolation selon Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est le Seigneur Jésus parce que le consolateur, c'est le Seigneur Jésus. Mais on peut remarquer maintenant que l'expression y a consolateur, Ésaïe, expression se manifeste dans la troisième manifestation. Pourquoi? Parce que nous avons trois manifestations. La manifestation de Jésus comme étant le Père, manifestation de Jésus comme étant le Fils, et manifestation de Jésus comme étant le consolateur qui est le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, il est écrit que Nakoti Kabino Banetikate, mais le consolateur viendra. C'est que le consolateur, c'est bien le Saint-Esprit, mais qui vient sous forme du Saint-Esprit. C'est au moins d'abord que Noé a l'air qu'on représentait bisous le Seigneur Jésus lui-même, mais dans un autre angle. Ici, par rapport, il y a Genèse chapitre 9. Pourquoi? Parce que ici, il y a une appellation à Père. Mais dans quatre appellations à Père, tout le monde a que Noé a mis sa trois fils. Sem, Cham, na Jafet. Il a mis ça dans Noé, il a mis ça pour accomplir tout un travail, frère. Il a mis ça dans le monde. Tout le monde a remarqué que lorsque Noé a mis ça d'abord dans quatre arches, il a mis ça arche comme étant l'éternité. Parce que Nakata a c'était les lieux du repos, c'était les lieux de, les lieux de la paix, au coup faisalité, ma bien faisalité. Mais lorsque Noé de Nakata a, c'est alors qu'il vient labourer. Genèse chapitre 2. Écriture aux Aïe Bissanga et Lokomoko. Genèse chapitre 2. Bien-aimé la Nama Maram, ils appellent le Bikorao. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et une cieux, et des cieux, aucun arbuste de champ ne germait encore sur la terre. Aucun arbre de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'eau pour cultiver les sols. Aux hommes, c'est que tant qu'on s'en basoya, à l'obi, ma belle et bota qui atteint et l'autre côté, pour te mota kobalo la ma belle, donc c'est lui qui va labourer la terre. Azala quitté. Et puis, Mboulana le bête a quitté. C'est que l'Éternel est en train de présenter que lorsqu'il sort de son éternité, tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit et puis ensuite, aye kolona, pe mbou les ali ko kite. Nde to moni pe noe, et se nga ibanan na kat na arche, ko bimane na kat na arche, qui est l'éternité, le manteau de l'éternité, azo kote metta dans la na kat a scène, il entre dans le temps, c'est alors qu'il doit maintenant labourer la terre. On a Ésaïe chapitre 62, verset 4. Et comment dit que ta terre aura un nom, on l'appellera épouse. C'est que la terre, c'est tout ton peuple. Mais na kati ya terre, ou na frère bien-aimé, nde sengeli nzamba ya kolona. Yango moi na kati ya Genèse, on parle des deux terres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans la troisième journée de la création, la Bible déclare ceci, que Dieu a le mis, et qu'une terre sorte, terre en mauvais bimi.
C'est que ton moins d'abord que ils en terre il y a Genèse chapitre 1 verset 1er et ils en terre il y a Genèse chapitre 1 verset 9. Parce que ici la terre au verset 9 ezobi manamai. Mais tandis que la terre il y a premier jour ezobi matin mais ça sort de la parole frère. Ne t'omoni maintenant que première terre ils ont révélé biso tout un peuple que nous appelons Israël. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils étaient informés vite. Pourquoi? Parce que tout ce que le Seigneur travaillait dans la main d'Israël ne donnait pas de sens. Yangona Jérémie va dire que lorsque nous avons dit à Jérémie que Akenanda Kapotier, elle a dit que Maso Abane qu'on travaillait, Abane qu'on récitait, c'était que la maison d'Israël par rapport à la loi, ils étaient informés vite. Abane comment nous allons l'engueter? Mais tandis que la terre, il y a verset 9. C'est nous le peuple. C'est nous parce que nous sommes sortis des eaux d'en bas. Or, les eaux d'en bas, c'est Isaac. Tandis que les eaux d'en haut, c'est Abraham. Mais à partir de maintenant, il y a Maïassé, Neyonanga, comme étant moi, Sitobimi. Voilà pourquoi les véritables terres qui étaient aussi Moïse. Exode chapitre 2. Lorsque la fille de Pharaon, Azor, Koluka, Moïse, a commis la maille. Amonim une terre qui était sortie dessous. C'était Moïse. Azuyé. A pessier combo à Moïse, qui signifie tirer des eaux. C'est que Moïse était une terre. Mais on peut remarquer maintenant que lorsque la fille de Pharaon, qui est l'image de Jésus, vient nous chercher comme étant une terre qui sort des eaux, Azuyonanga. Avant de se rendre à Pharaon, qui est l'image du Père, il a fallu d'abord. A que de soumettre dans ma boca Jokebet parce que Jokebet quoi ça ni abana collaborer abana collaborer bon moi Moïse a on a osé Moïse comme étant un peuple Simba ma maman bien aimé dans le Seigneur. Alors lorsque Noé abané collaborer ma belle balobi accueilli colonna oh celui qui laboure la terre c'est Dieu lui-même dans Genèse chapitre 1 qui est la première dispensation. Et puis, tant qu'Azo cultivait la terre, lui, combien de gens ont dit ça? A kende kolona elo komo soussouté. A kende kolona vigne. Pourquoi vigne? Jean chapitre 15, verset 1er descendant. Jésus a dit, Azali, vigne. Bisso, tous habitants penae. Tandis que papa n'a pas d'Azali, Moloni vigne. Bah ben que vigneron. Parce que Moloni, il y a vigne, bah ben que vigneron. Jean chapitre 15. C'est que Nabani qu'on comprend ici que le Seigneur Jésus était considéré comme étant une vigne plantée par le Père. Mais on peut remarquer maintenant que lorsque Jésus, avant qu'il y ait Gethsémani, il a fallu se la presser. Pote vin et dit ma qui est la parole, qui est l'enseignement. Yango na psaume balobi que le vin réjouit les cœurs. Ce que le vin qui réjouit les cœurs, c'est le vin qui sort d'un homme que nous appelons Jésus. C'est ce qui veut dire, le vin, c'était pas une autre personne, c'est que Noé lui-même, parce que ici Noé nous représente le Père, tandis que la vie nous représente le Fils, l'œuvre du Fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce monde est que lorsque l'on y vigne, Yemoko Akamati vigne wana, Amélie Yango. Lorsque l'on met la vigne, il commence à dire que Alangwe. C'est ça que l'on va bien aimer. Acte des Apôtres chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il pouvait dire aux disciples que non, Bazali est enivré dans ma sangue là. Oh, ma sœur, c'était l'évangile. C'est que Nzambe pota langue. Il faut ami langue là, l'ikanisinaye. De la même manière aussi, Noé et loko ya lonaki, yangonde, et pesie kwiti, ne ake komilal. Mais la Bible déclare ceci. Lorsque Amélie a langue, l'ikomé le dit que a langue wapi, na katia tante naye. Na katia emanaye. Or, l'attente de Dieu, c'est quoi? C'est toute une alliance. L'attente, c'est l'alliance, frère. C'est que
Noé tanga solanga masanga ami bombi na kacha boyoka ni mobimba yango babengi yango tante soko tani na pso bazobe yango la tante de Joseph. C'est que c'est le lieu où Noé s'est caché. Mais tout le monde a coquin jamais qu'on découvre une nudité à Noé, mais il faut uniquement Ezala, Cham, son fils cadet. C'est que le fils cadet, Tango Azoya, Azoko Sanakatia Alliance, à côté de Katia Tante, quand il entre dans l'alliance, il est en train de trouver le père. C'est que le Père, c'est toutes les œuvres que Dieu a manifestées dans une alliance que nous appelons l'ancienne alliance. Alléluia. Ami Bombi Naboyo Kani, Yamotorobaraki frère, les écrits des prophètes, c'était toute une alliance pour nous aider aujourd'hui. Yamotamu Jazo Botama. Maman Keya le bikoma mwane kozala Jean, il faut batuba bouya. Babite frère. Maman. Jean. Na ligné à papa na ekomba Jean Zati yo mwana Jean Zuapi. Mais pour te discuter souka, il faut l'écriture. Lorsque papa zo poussana, ba pessi écriture a commis frère. Fais des discussions. C'est que nous comprenons par là, faire discussion et zaraka il y a la présence des écritures. Il y a mon proverbe le dit Dieu a tout mis par écrit. C'est que acte au Noé opposé, c'était pour nous expliquer que Noé comme étant toute une alliance, Noé comme étant les pères cachés dans l'ancienne alliance, il se couvrait. Abandai komi bomba. Yamba le bina que l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui se cache. Nzamba mi bomba nanin, nakata bilamba. Nation Noé. Noé c'est le tabernacle. Parce que tabernacle, et bane kozingama. Nabapo. Oh le vêtement, c'était le vêtement de peau. Avant d'être commis bomba, Dieu s'est caché. Yango Tangu, Salomon Azoya a dit, ah, nous avons mis Banakat à Moulili. Oh Moulili, c'est l'ancienne alliance. Là où Noé s'est caché. Dieu s'est caché dans l'ancienne alliance, frère bien-aimé. C'est ça l'œuvre que Noé a fait. Mais les deux fils de Noé, Baro Komona Bolumbouté. Oh Bolumba Noé, c'est quoi? La nidité du Père, c'est la révélation de la sémence. Parce que tu as dit que quand on parle de la nidité, c'est dans les liens honteux. Partie honteuse. Mais c'est ça la nidité, frère. Mais on peut remarquer, c'est dans la partie honteuse que la sémence est donnée. Aujourd'hui, frère, la partie honteuse, c'est la bouche, parce que la sémence sort de la bouche, frère. Lorsque l'évangile vient, l'évangile sort de la bouche. Tandis que la partie honteuse de l'homme, c'est la bouche. La partie honteuse de la femme, c'est l'oreille. Voilà pourquoi Dieu avait privé Israël la bouche. Il leur avait privé la partie honteuse. C'est ce que Noé cachait, frère. Mais il a fallu Amelande vigno. Vigno wanande et memaye sikoyo alaksa bulumbuna. Mais quand il montre la dignité, c'est le fils cadet qui voit. Qui est le fils cadet? C'est l'œuvre de la grâce. Parce que c'est l'œuvre de la grâce qui vient maintenant dévoiler le Père. L'œuvre de la grâce qui est faite par le fils. Ne ezoya ko bimisa siko bolumbu ya mobe ko sikibi dike eza ko ya ko dévoiler ko fongola ce qui était caché dans la loi. Sibinga maram. Bien aimé, ça rend la complication benga biso parce que ça internet, mais il y a beaucoup de choses à parler, frère. C'est que la dignité de Noé, c'était la pensée d'être caché dans la Sainte Alliance, au Seigneur les a dévoilé, frère. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu maintenant pour dévoiler le Père. Dévoiler le Père. Yango Moni, lorsqu'à côté de la tente, il était dans la joie. Mais oui, le moment est venu où la nudité devrait être révélée. Mais tant que je suis dit, je solo, dit, je suis c'est ma zanane. J'ai fait ta zanane. Ce sont Moïse et les prophètes. Pourquoi les Moïse et les prophètes? Parce que Moïse et les prophètes
cacher la nudité de Dieu dans l'ancienne alliance, frère. Comment? Moïse a outil de colon bomba qui dit frère. Aïe pas révélé le peuple de Dieu la nudité qu'il avait vue sur la montagne. Parce que c'est dans le visage qu'il y avait la bouche, l'allié de la semence. Mais lorsque Moïse a quitté frère, Bibi Bibi Singana exode à Kangé et Longinaï. Asi Pierre Longinaï, pour que peuple a mon aboloumouté, pour que peuple a mon gloire. Oh, la gloire, c'est dans la partie honteuse, frère. Alléluia. C'est dans la partie honteuse. Ne Moïse a l'obité. Beaucoup comme on a ma cambote, Zipi, c'est que Baboué qui peuple a découvrir la faveur de Dieu, a découvrir la grâce de Dieu. Il y a un moment ribé, tant que je suis papa, je suis là, moi c'est papa, parce que je suis là, je suis là, papa suis là, même suis là, moi c'est papa, je suis là, moi c'est papa, je suis découvrir l'identité de ton père. C'est dans le Lévitique. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans Zéla et Jacob? Tant que je suis béni, Ruben. Ce qui veut dire Ruben a zo bomba la natie de notre Seigneur Jésus-Christ qui devrait dévoiler le Père caché dans l'ancienne alliance, frère. Aussi minga maram. Nettoyez comme on a maintenant lorsque Sem qui représente Moïse qui s'est caché pour mon abouloumba papate. Et Japhet qui montre des prophètes qui n'ont pas vu la nudité. Voilà pourquoi au côté de Moïse, au lieu de lire Makilate, Metomela, Tolia Moussoun, Ingo Laksani, a quoi battre? Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais découvert la nudité du Père. Au tout de Moïse, pourquoi le bâti montana des fois corporel à la moussalate? A quoi de surtout parce qu'il n'a pas découvert la nudité, frère. Parce que dans une alliance, babane comment on a tabou babité, bako limbo la ma comité. Mais tandis que lorsque Shamazoya, c'est bien lui qui vient pour dévoiler le Père, révéler maintenant le Père caché dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Yango ye sotan wayabi, je suis venu pour révéler le Père. Révéler le Père. Le Père c'est quoi? C'était la chose cachée dans l'ancienne alliance. Il est venu révéler. C'est sa nudité maintenant, frère. C'est que la nudité du Père, c'est tout ce qui a été écrit dans l'ancienne alliance. Oh, Tokobanako Sungabino. Oh, Moïse Amataki, à la Binzambe. Ce qu'on dit, c'est le bon temps de l'Ongola. Le Lopé, au commence la prière intercession. Oh non, frère, Naza intercesseur. Frère, Nassé n'a moyen intercesseur à Zalarate. Pourquoi on le dit qu'on est intercesseur? Parce que la nudité du Père n'était pas encore révélée vers toi. Non, les mondes, ça ne m'est pas raïoté. J'ai un moment où mon papa l'a mis dans ma sangle. A l'obini, babetele li solo, talalika mwana yo, yasuka sali. Or, quand Jésus était venu, il est venu comme les cadets de tous ceux qui ont précédé. Yango hébreu et elobi. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais dans ces derniers jours, c'est que les cadets, les derniers jours, moto yasuka, il nous parle par Cham, les cadets. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Nous devons aussi, maman, maman. Si vous avez bossé dans la bisso, au Bengibus 078 602 3771, au Gouza Lumière, il y a ma camoubele bien aimé dans le Seigneur. C'est ma mouvement, oh, maman. Alors, lorsque Azali maintenant, Kola Moukana Pongi, Azoye qui s'est maintenant, moi, Nanaé. Qui est à la Kelamabe. Pourquoi la Kelamabe? Parce qu'il a découvert à Fongoli, to a déti de cela Bolungo à papa. Alléluia. C'est ça, Galates chapitre 3. Le Seigneur Jésus était devenu une malédiction, frère. Pour que Bisso, to Zali Pamboli, Yamozo Mona, au lieu à la Kelamabe, frère, Azola Kisa, Mosala Oyokosalama et pas à Cham. Quelle œuvre qui va se faire? C'est l'œuvre de Cana. T'as la Cana bazoluka, t'as bazoluka qui la Cana mabé. Cana dans les monanités. Cana ne y apparaître été. Mais Noé parle de Cana. Prophétise c'est Cana. Et c'est même Cana qu'on devrait maudire le matin. Mais c'est le même Cana qui est devenu la terre promise, frère. Cana on est comme il m'a belé. Il y a beaucoup.
Frère, nous sommes dans l'introduction. Nzambaya na lisungi na yo, je pense que toza a apona bino. Yeba ke Noé, il est l'image du Père comme dispensation yali boso. Tandis que Cham azobi malé, c'est-à-dire Jésus, qu'est-ce qui vient dévoiler, qui vient annoncer la nudité du Père, tandis que Semna Japhet bazo représenter la loi qui était manifestée par Moïse et Japhet même par prophète au Baya qui après Moïse. Bango ne bandai ko zipamiso. Yango moni œuvre. Ya Sem na Japhet so continuer ti lelo. Pasteur Aya Ibshom de ko. Okopambolama olubika amen. Okozwa liba olubi amen. Mais le pourquoi libala le pourquoi ya na li ayibiso yangote. Jusqu'aujourd'hui frère, ce qui Noé a nous voilé, azana bilamba. Bien-aimé, ozana posa o faire découvrir nidité à Noé pour te nakata nidité de Bomoïsali. C'est que la nidité de Noé, c'est la révélation de tout ce qui était caché dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Tout ce qui a pour nous, bien-aimé, ce que nous avons à nous, tout ce que nous avons à nous, parce que l'évangile, c'est le pourquoi de toutes choses. Dans Jean chapitre 5, dans le Bélaïamoming, il y a ça le baki. Vous sondez les écritures, mais vous savez que mes écritures sont le Bélaïamoming. C'est que bon moyen de nous, mais c'est le Bélaïamoming. Voilà, moi, je te dis, on a pas la Bible bien aimé pour que tu puisses comprendre ma canne sans zambé. Je remercie l'épisode 55, Kola Pambola Bango, Pekik Mubimba, il y a Voice of Congo, Zapambola Bino, Ndeto Monani, à la prochaine. Bye. Voice of Congo.net, news on real time.